Les bienfaits du poivre alligator. Un usage à des fins de consommation. Le poivre d'alligator est une épice populaire qui est normalement grignotée, en particulier par les aînés et parfois les jeunes. Lors de réunions et d'événements traditionnels tels que les cérémonies de baptême des bébés, les mariages traditionnels, les cérémonies d'inhumation, les réunions municipales, etc. Le piment d'alligator est généralement servi avec des noix de cola et du beurre de cacahuète dans le cadre des rites coutumiers. Les graines et les feuilles peuvent également être utilisées pour garnir les salades et pour préparer des plats variés tels que la soupe au poivre, les ragoûts, les plats de poulet et d'agneau, etc. Sa saveur poivrée et piquante augmente les plats et les rend épicés. Pendant la cuisson, le poivre d'alligator peut être remplacé par du poivre noir, des grains de paradis, du pipère guinéen ou de la cardamome noire. Les graines sont généralement broyées avant d'être ajoutées au plat car elles ont tendance à être un peu dures. En outre, l'industrie de la bière utilise normalement le piment alligator pour renforcer et aromatiser les boissons alcoolisées telles que le gin, la bière, le vin et la bière. Deux propriétés antioxydantes. Les graines de piment alligator sont une excellente source de phytonutriments tels que les terpénoïdes, les alcaloïdes, les flavonoïdes, les tanins, les glycosides cardiaques, la saponine et le composé phénolique. Ils récupèrent les radicaux libres et offrent des protections contre les virus, les allergènes, les microbes, l'agrégation plaquettaire, les tumeurs, les ulcères et les hépatotoxines, dommages chimiques au foie, dans le corps. Cela suggère pourquoi il est couramment utilisé dans la médecine populaire pour prévenir et traiter les problèmes intestinaux. 3. Traitement des troubles gastro-intestinaux. Les extraits de graines de piment alligator peuvent être utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux tels que les douleurs à l'estomac, la diarrhée, l'ulcère et les vers intestinaux. 4. Cicatrisation des plaies. Les graines peuvent être broyées et utilisées pour préparer des concoctions pour le traitement et la cicatrisation des plaies. Le poivre d'alligator contient une grande quantité de tanins qui se distingue par sa propriété rigoureuse et en tant que tel, il est très efficace pour cicatriser les plaies, traiter les brûlures et apaiser les muqueuses enflammées. 5. Propriétés antimicrobiennes. L'extrait de graines a des propriétés antimicrobiennes en raison de ses constituants de composés phénoliques qui sont normalement utilisés comme désinfectants. Des études révèlent que l'extrait d'Aframomum mulugata est à large spectre, en tant que tel, a un effet inhibiteur sur la croissance de bactéries telles que Salmonella typhi, Staphylococcus aureus et Klebsiella pneumonia, etc. 6. Propriétés aphrodisiaques. Des études révèlent que le piment alligator est de nature aphrodisiaque et peut donc être utilisé pour stimuler les désirs sexuels. 7. Propriétés anti-inflammatoires. La graine a des propriétés anti-inflammatoires en raison de son constituant de gingérol qui inhibe la synthèse des leucotriènes et des prostaglandines. Il offre une protection contre l'inflammation du corps. 8. Propriétés analgésiques. L'extrait aqueux de la plante est de nature analgésique et en tant que tel peut être utilisé pour soulager et soulager les douleurs telles que les douleurs articulaires, les maux de dents, les maux d'estomac, les douleurs arthritiques et les douleurs rhumatoïdes. 9. Soins dermatologiques. Le poivre d'alligator peut être utilisé pour préparer un remède à base de plantes pour traiter les maladies infectieuses de la peau telles que la rougeole, la varicelle et la variole. 10. Propriétés stimulantes.
En raison de ses propriétés stimulantes et de son goût poivré piquant, le piment alligator est normalement mâché comme stimulant pour garder le corps alerte. 11. Traitement du paludisme. Les feuilles sont utilisées pour préparer des médicaments à base de plantes pour prévenir et traiter le paludisme. 12. Propriétés digestives. Les graines d'alligator facilitent la digestion des aliments, prévenant ainsi la constipation et les ballonnements. Effets secondaires du poivre alligator. Il n'y a pas d'effet secondaire enregistré du poivre alligator, cependant, les mères enceintes et allaitantes sont encouragées à ne pas le consommer pour les raisons suivantes. Une expérience d'Inej Benebor en 2009 montre qu'une dose élevée de poivre d'alligator administrée à des rats enceintes a conduit à l'interruption de leur grossesse du premier trimestre. Sur la base de ce rapport, il est fortement recommandé aux femmes enceintes au cours de leur premier trimestre de s'abstenir de manger du poivre d'alligator dans d'autres pour éviter les fausses couches. Il est convenu que les mères allaitantes devraient éviter de prendre du piment alligator en grande quantité car il peut réduire la sécrétion de prolactine. La prolactine est une hormone libérée par l'hypophyse qui stimule la production de lait après l'accouchement. Il ne fait aucun doute que le lait maternel est essentiel pour les nouveau-nés car il leur offre une immunité et une nutrition avant qu'ils ne soient en âge de manger et de digérer facilement des aliments solides. Avertissement. Ce message est uniquement à des fins d'information et ne doit pas être utilisé en remplacement d'un diagnostic et de traitement professionnel. N'oubliez pas de toujours consulter votre fournisseur de soins de santé avant de prendre des décisions liées à la santé ou pour des conseils et un traitement concernant une condition médicale spécifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications.